Non seulement on a le pot de départ de Lolo, mais derrière on a la pendaison crémaillère de Jules et la nif de Max à l'autre bout de Paris. Je sais pas comment on va faire. Je fais un petit apéro avant. C'est quand déjà toutes ces festivités? Samedi prochain. Le 2 ou le 3 ou le 4. Je sais plus. Tu sais moi les chiffres. Je suis sûre pour samedi en fait. J'ai mon premier jour de boulot lundi et je voudrais être en forme. C'est pas drôle. De toute façon, on sait tous comment ça se passe un premier jour. Hein. Ah bon? Il est 7h30. Allez, ça y est, c'est ton premier jour de boulot. Tu es à la fois hyper motivé et très stressé. Surtout motivé. Enfin, surtout stressé en fait. T'as pas envie d'être la nouvelle qui arrive avant tout le monde. Alors tu prends ton temps. Bonjour, Alice. Alice, oui, c'est ça, super, bienvenue. Oula, elle se prend pour une princesse. Pour la chaleur humaine, on repassera, ça promet. Merci. Ok, beaucoup. Super. On va commencer par te présenter à l'équipe et faire le tour des bureaux avant que tu te mettes au travail, ok? Parfait. Ton bureau. Héloïse, Martine, Martine, Héloïse. Martine est l'assistante du service, c'est notre plus ancienne collaboratrice, elle connaît très très bien la maison. Elle a pas l'air bien méchante. Enchantée. Moi aussi, bienvenue. Voilà, allez, on y va. Excusez-moi, monsieur Ripoli, je vous en fais deux petites minutes pour vous présenter notre nouvelle venue. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Voilà, on vous laisse tranquille. Alizée, je te présente Lola, notre stagiaire RH. Welcome. Tu repasseras me voir? J'ai plein de documents à te faire signer. Thanks. Ça, c'est la salle de réunion B22, tu ne peux la réserver que les premiers et troisièmes jeudis du mois. Patrick, on va avoir besoin d'un badge pour Elodie. Ah, la machine à badge est cassée, faudra revenir demain mademoiselle. Offensif. Eh ben, on repassera. J'ai vu avec le service informatique, tu devrais avoir un PC d'ici mercredi. En attendant, tu peux lire le rapport annuel, ça te donnera une idée plus précise de ce qu'on fait. Ça fait une heure que tu ne penses qu'à une chose. Tu déjeunes avec qui? Bah rentre chez toi, ça devait être bien chargé aujourd'hui déjà. Oui, je vais pas tarder. Même avec la bénédiction de ta collègue, tu peux pas partir tout de suite, ça fait pas sérieux. Mais si tu le relis une huitième fois ton rapport annuel, tu vas tuer quelqu'un. Alors tu fais comme d'hab. Tu temporises.